Oh, une mine! Oh, attends. Waouh, c'est génial. C'est pas ça, c'est une faille. Ok. Yep. Si j'arrive à trouver quelque chose. Oh putain! Fils de pute! Mais t'es pas bien! Mais t'es fou! Mais putain, mais je vais t'arracher ta mère! Putain, screamer de bâtard! Je déteste! Putain, je suis en train de prendre de l'or et il jette sur moi, il m'attaque! Oh putain! Mais t'es fou! Oh! Bâtard! Oh putain! J'étais pas prêt! Oh, enculé ta mère la pute, sale chien! Oh putain, c'est parti tout seul! Oh putain! Désolé! Tu m'as fait peur! Mais moi aussi j'ai eu peur! Putain, j'étais pas prêt, putain! Oh putain! Bâtard! Putain! Oh putain, il m'a fait sursauter, ce renculé! Oh, je vais pas dormir de la nuit, ça y est, je suis traumatisé! Oh putain! 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 J'en peux plus! Oh, j'ai peur! C'est pas grave, moi aussi j'ai peur! Je t'ai entendu crier! Ouf. Fils de chien! Qu'est-ce que je t'avais dit que j'aime prendre des Rob Ryan il y a 30 secondes? Eh bien, salut tout le monde, c'est Arcos79, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale 2 ans de ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi est-ce que je sors cette vidéo à l'avance? Elle devait sortir le 19 normalement, si vous avez vu ma dernière vidéo, et je la sors aujourd'hui le 17, pour la simple et bonne raison que j'aurai pas le temps de la sortir le 19, et comme j'ai pas envie de faire comme l'année passée, la sortir en retard, je préfère la sortir un jour à l'avance. En ce qui concerne le gameplay, on est sur du Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered, on est avec la AK-47 sur la map Crash, dans le nouveau mode Point Stratégique, plus précisément Winter Crash même, qui est la nouvelle carte qui est arrivée sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Alors, donc comme vous l'aurez compris au sujet de la vidéo, on va parler un peu de la chaîne. On va un petit peu parler de ce qui va se passer en 2017 et un petit peu de comment ça se passe actuellement. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à tous vous remercier. On est actuellement donc à 276 abonnés et on est à 42 000 vues sur la chaîne, je pense, une connerie comme ça. Quand j'ai une connerie dans le sens où je ne sais pas vraiment les chiffres exacts, hein, évidemment. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et je tenais vraiment à tous vous remercier de vous être abonné déjà de 1. Même si j'ai pas un nombre d'abonnés énorme. On va dire que c'est un petit peu normal que j'ai pris moins d'abonnés que l'année passée. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu deux grosses périodes où j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois. Des périodes où j'étais un peu dans le mal et des périodes où j'ai pas forcément toujours eu le moral. Et on va dire que ça s'est un petit peu ressenti sur la chaîne. Mais on va dire que désormais, à l'heure actuelle, pour moi, vraiment, tout va bien. Je suis bien entouré et ça fait vraiment plaisir aussi. Donc, en ce qui concerne la chaîne sur l'année 2017, on va pas non plus tergiverser très longtemps. On va pas non plus s'éloigner du sujet. Vous l'avez un petit peu remarqué, je suis vraiment moins sur Call of actuellement. Hein. D'ailleurs, c'est très rare, vous devez même être un peu choqué, pardon, de voir du Modern Warfare Remaster. Faut savoir que j'y joue vraiment, allez, j'y joue une heure par jour, une heure et demie on va dire. Mais ça en plus, Infinite Warfare j'y touche plus trop pour l'instant. Et vous devez bien vous rendre compte que Call of Duty, et moi il y a eu un petit froid, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que je suis un peu déçu de cette année Call of Duty comme beaucoup de monde que je laisse tomber. Je vais juste prendre du recul et je vais pas me forcer à faire des vidéos sur Call of Duty. Donc, ce qui va être certain, ça par contre je vous le dis, à partir de demain, d'ailleurs demain vous aurez un épisode, c'est que je vais terminer le camouflage de l'élite sur Black Ops 3, parce que Black Ops 3, vous le savez, c'est mon jeu préféré, c'est mon bébé, c'est mon amour, il est toujours avec moi, et j'ai promis de terminer la série, du coup je la terminerai. Il y a aussi l'SP de Watch Dogs, il doit être terminé, je le sais très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo pendant 2 semaines. C'est simple, c'est tout con, la raison c'est que je suis en examen.
Du coup, comme je suis en examen, mais je sais pas faire des vidéos de 25-30 minutes et les upload. C'est pas possible, l'Espace Watch Dogs me prend trop de temps à upload, à faire le montage et tout. Donc évidemment, bah, je ne vous upload pas du Watch Dogs pour l'instant. Mais dès que j'ai terminé les examens, c'est-à-dire à partir de mardi, donc normalement mercredi, il y aura un épisode. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et donc ça, c'est ce qui pouvoir, c'est pour voir ce qui va venir déjà en cette fin d'année. Et pour 2017, comme je le dis, on va vraiment rester concentré sur du Black Ops 3, c'est certain. Mais il n'y aura pas que ça, parce que Call of Duty, c'est certes un jeu que j'adore, mais je ne peux plus en manger en grosse quantité. Et pour l'instant, je suis avec une pote sur Minecraft, et je vais pas vous mentir, c'est le kiff. Même si je suis une merde, il faut le dire, hein, je suis nul à Minecraft, mais on sape des bons délires, et je pense... Et je pense, je vais vous dire ça prochainement, j'essaierai de faire des vidéos avec elle parce qu'elle est vraiment sympa. Il y a vraiment moyen que vous accrochiez à sa personnalité. J'essaierai de me diversifier sur du Minecraft, sur des FIFA. Et surtout, je pense que vous l'avez compris avec les derniers épisodes que je vous ai sortis sur la chaîne de ce jeu. De Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege qui, à l'heure actuelle, un de mes jeux préférés, mon FPS préféré. Même si je n'y joue plus trop, je vais pas vous mentir. Actuellement, j'y joue pas trop, mais c'est pas grave. Je vais dire que j'ai un peu pas une saturation de Rainbow Six Siege. Là n'est pas le souci d'avoir un problème de saturation. C'est que le jeu a des bugs et je comprends pas comment on peut encore avoir des bugs comme ça alors qu'on arrive en 2017. Et j'attends qu'il y ait un petit patch qui soit fait. Mais sinon, Rainbow Six Siege, ne vous inquiétez pas, je vais continuer d'y jouer et vous faire les petites compilations dessus. D'ailleurs, dès que j'ai assez de clips, je vais vous les proposer. Cette année 2017, j'ai pas envie de la concentrer, comme je l'ai dit, uniquement sur Call of, ça sert à rien. Parce que Call of, trop de Call of, tue le Call of. On va prendre l'expression de Chloé, parce qu'elle dit, bah, en fait, elle remplace le trop de Call of, tue Call of, par trop de K2, tue le K2, par exemple. Et on va prendre cette expression-là, parce qu'elle mérite bien que je prenne ces expressions, vu qu'elle m'entoure plutôt pas mal en ce moment, et ça me fait plutôt plaisir. Oui, donc comme j'ai dit, Chloé, c'est la fille que vous avez vue en... Enfin, l'intro, j'étais avec elle, hein, simplement. C'est la fille qui joue tout le temps sur Minecraft. Mais je vais pas trop m'éloigner du sujet. Donc, comme je l'ai dit, 2017, j'ai pas envie de trop étouffer Call of Duty, trop étouffer ma chaîne avec du Call of Duty. Du coup, je vais essayer de diversifier avec Rainbow Six et les compilations que vous avez vues. FIFA, Minecraft, un peu touché à tout. Et si je peux, si j'ai l'occasion de faire le let's play sur Assassin's Creed 2, si vous le voulez, je vous le proposerai parce que vous savez très bien qu'Assassin's Creed et moi, c'est une très grande histoire d'amour. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit par rapport à 2017. Maintenant, je pense que j'ai pas vraiment grand chose à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Merci, franchement, en toute sincérité, je vais le dire, je vais prendre un peu de temps. Merci d'être là, même si je le reconnais que je n'ai pas été très actif en 2016. Je n'ai pas reçu le moindre commentaire à me faire insulter, pas le moindre commentaire négatif. Et vous avez toujours été là pour me soutenir. Il y a même certains de mes abonnés qui m'ont mis sur le PSN, qui m'ont demandé où est-ce que j'étais. Je prendrais par exemple le cas de Sofiane qui m'a demandé où est-ce que j'étais, me demander si j'allais revenir ou pas. Mathias qui m'a fait exactement la même chose. Et franchement les gars, je vous oublie pas. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que je ne suis pas forcément sur YouTube que je vais mal, mais c'est vraiment gentil de vous inquiéter pour moi. Mais je vous promets, en 2017, j'essaierai de ne plus prendre de pause et toujours essayer d'être là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'être là, je vous kiffe tous. Allez checker la chaîne des potos, ça leur fera toujours plaisir. C'était Zarko. Bye 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 bye.